Quand je pense qu'on fait le myro drill, on a des micro-rods et tout, et c'est moi qui m'occupe du son, j'ai une pression terrible. Ouais. C'est clair. No stress, ça va bien se passer. Nous sommes le samedi 16 avril, premier jour de tournage à Belloc, comme le méchant du premier Indiana Jones. Donc un très bon endroit pour faire un scénario sur des pierres de tombe. Merci. Ouais. Petite préparation, finition des costumes. Comment vas-tu, Jérémy ? Tendu comme un bout de bois. Je sais pas, ça se dit. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus ? Le temps en termes de climat et le temps en termes de timing. Voilà. Donc le temps en général, on va dire. Bah écoute, pour l'instant ça se passe bien. On le sort parce que. On a fait les plans les plus difficiles et puis on enchaîne tranquillement. Je voulais faire un plan. Il est midi 46. Sam il prépare la GoPro. Là-bas ils sont en train d'essayer de tourner. Et je vais aller me faire maquiller. En fait, comme j'avais prévu, tout se passe très bien. Il pleut, c'est la merde, et on a regardé la météo, elle a encore changé, ils annoncent de la merde jusqu'à 17h. Mais on n'est pas sûr, comme ça arrête pas de changer, ça se trouve dans 10 minutes, ça va se calmer, on va pouvoir tourner un truc. Il est 14h et les acteurs commencent sérieusement à s'ennuyer. Il pleut depuis une petite demi-heure, donc ils ont décidé de détruire une souche pour se calmer. Plutôt efficace. Maintenant on va reprendre, il pleut plus, on a zéro luminosité, c'est parfait pour ce qu'on veut faire. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Un day tonight. Ok. Fais dodo. Allez. Alors, nous avons un match pas loin qui nous empêche de tourner définitivement. On a un temps merveilleux, on pourrait tourner autant qu'on veut. Mais voilà, les hommes pètent un câble. On n'a pas eu un temps trop merdique, sauf les quelques éclaircies et un quad. Et du coup, on a été obligé d'arrêter plusieurs fois parce que le quad, ben, poète. Au niveau du son. Et poète le son. Voilà un petit... Voilà les conditions de tournage de la Grange Pictures. Ça te fait rire toi. Le tournage est très bien passé. On a eu quelques petits problèmes de maquillage mais finalement... Et quant au bizutage des preneurs de sang sur les plateaux de tournage, vous en pensez quoi? C'est une vieille légende urbaine en fait. Parce que la plupart du temps... Oui, non mais à la rigueur, quelques petites blagues par-ci par-là. Donc on peut encourager les gens à devenir preneurs de sang. Ah mais tout à fait, c'est très intéressant. C'est... Et avec très valorisant. Quel type de matériel de préférence? Ah bah du matériel rod et aussi beaucoup de talc. Il en faut.